de violon comme ça, je sais. Tu veux me porter quelque chose, s'il te plaît? Non, pas comme ça. Voilà. On a encore joué. Ouais. Tu veux faire jusqu'à 3h du matin. Bon. Bonne soirée. Ouais. À demain. Ouais. À demain. Allez, au revoir. Ouais. Salut. Salut. Chérie, oui. Tu pourrais avoir un café, s'il en reste. Oui, ben je vais regarder s'il en reste. Oui, attends, par moi la porte. Eh Nil, tu vas pas à l'école? Hein? Une petite fête sur le thème du voyage. Hein. Alors, ce serait une soirée, comme on avait fait déjà les années précédentes, on avait déjà fait comme ça, dans le réfectoire, et on aurait voulu avoir une petite partie un peu spectacle, quoi. Et on avait pensé à vous, parce que, bon, bah, les gens du voyage, le voyage, vous êtes... Voilà. Hein, le voyage, vous connaissez, quoi. On va amener un petit peu notre culture. Ouais, ça serait sympa, quoi. Ça serait sympa que vous puissiez... Alors, bon, je sais pas, après, faut voir les conditions, comment vous voulez faire, faut qu'on regarde un petit peu le temps que vous avez à consacrer. Ça tombe à quel jour, ça? Le 19... Mardi soir. Mardi soir, oui. Impeccable. Bon, c'est bien, je travaille pas en plus. C'est vrai, ça tombe bien. Oui. C'est super, ça. Et on pourrait compter sur, par exemple, deux petits sets de 20 minutes, une demi-heure. Enfin, je sais pas comment vous voyez ça, vous. On peut faire deux passages d'une demi-heure. Ouais, ça serait bien, ça. Hein? Ça serait très bien. C'est bien. Il faut que vous nous donniez aussi les conditions de la soirée, les conditions financières de la soirée. Sont toutes faites. Ouais. Je fais gratuitement. Non, mais... Ah, si, ça me fait plaisir. Enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, si, bon, travail et tout, donc... J'en ai parlé avec mon fils. C'est vraiment gentil. Enfin, je le fais gratuitement, ça me fait plaisir parce que, bon, je vous estime bien. Bah, écoutez, c'est et puis voilà, ça fait longtemps qu'on s'estime réciproquement, on s'entend bien, mais... Enfin bon, ça me gêne aussi parce que c'était pas... Je vous avais pas demandé ça, bon, forcément à titre gratuit, hein, vraiment ça me fait... Non mais c'est moi qui décide comme ça, ça me fait plaisir de le faire, voilà. Bon, bah écoutez, un grand merci en tous les cas. Hein. Mmh. Un grand merci. Hein. Merci d'abord de votre présence et puis en plus du geste, là, parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Ah, les enfants, c'est chez nous, bon, là, comme partout, c'est oui, secret. Mais je sais que c'est important. Là, pour ça me hein. Fait plaisir ça a toujours de. Été, ça a et toujours puis en plus, ça, bon, avec ma femme, on a discuté. C'est pour votre gentillesse, depuis des années, nous avoir reçu nos enfants, tout ça. Bah, écoutez, merci, ça nous a touché vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. Et là, vous devez partir de Colombe-Camp, là. Par contre, d'après les conventions, fin mars. Fin mars. Oui. Ils vont vous laisser un petit délai quand même, non? J'espère. Au moins jusqu'en avril, fin avril, quoi. Vous avez le temps. Même début mai, ce serait pas mal parce que. Pour vous, il faut trouver la solution maintenant. Ah oui, là, il n'y a pas. C'est ça qui est moche, quoi. Il en faut une, parce que là.
Il y a urgence. Ah, il y a une solution d'attente et puis après il y a une solution plus régulière, quoi, parce que tous les ans vous allez vous retrouver dans le même problème. Ah oui, puis moi je veux pas l'hiver prochain je veux pas me retrouver à la rue. Hein. Ouais. Les enfants ils vont à l'école et tout. Parce que le terrain d'Île-Marante l'hiver prochain c'est fini. Ah c'est fini, c'est terminé. Je pense que Colomb va arrêter. Ils t'ont désinfecté ? Oui, elle a tombé. Ils ont désinfecté ? Attends, j'ai appris. Il y a la chèvre après. Mais si ! Il a vu que la chèvre est rose. Monsieur Kutchoff. Allez-y, monsieur l'homme. Il y a un proverbe qui dit faut mieux tard que jamais. Là j'expliquais, j'ai eu au téléphone des gens que je connais qui voyagent avec les chevaux. Tu sais, ils sont à tout côté de Tours. Tu vois, je connais bien ce monde-là. Eh ben, ils ont des chevaux. Si t'as pas les papiers, le cheval il part à l'abattoir. Ah bon? Ouais. Ils sont obligés de mettre une puce sur le cheval maintenant. C'est vrai, on mettait tout droit, en fait. Bon, maman, tu vas me prendre une douche, on va se prendre une douche. Viens, maman, viens, on va se prendre une douche. Tu vas, viens voir Foudor. Mon mari est jaloux. Voilà. On est déjà très jaloux. Voilà les douches qu'on a. Alors là, vous avez le chauffage. Voilà, la lumière. Non, non, mais je l'allume pas. Attends, elle allume pas, hein. C'est à qui la carte? C'est un bouton. Au départ, quoi. Vous voulez passer avec Jogging avant de rentrer dedans? On est en rouge. Pas mal. C'est bien quand même. Ah, vous avez pas ça, quoi, là? Vous avez pas ça? Non. Vous voyez qu'on est plus que vous. Non, mais ça voudrait dire que vous sentez meilleur que nous. Ça veut dire que vous sentez meilleur que nous. Ah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que vous ne savez pas quand même. Nous, il nous reste que les chats et les rats. Non, mais non. Là, on a des moustiques. Voilà. Ah, c'est bien des moustiques. Bon, tu vas me faire voir le reste? Alors attends, mais je vais te faire voir les toilettes. Ah, les toilettes. Viens voir mon pied, gars. Viens, les toilettes pour faire. Regarde, c'est pas bien ça. Le trône. Ça vient de Turquie là. T'as la main.
qu'est-ce que c'est ? 94, hein ? Bonjour, madame. C'est pourquoi, madame ? Ah, d'accord. Oui, je vous réponds après. Elle pose des questions, t'as vu ? Oui. T'as dit bonjour ? Non, même pas, t'as vu ? Même pas bonjour. T'as vu, je sais pourquoi, madame. T'as vu, je vous réponds après. On va être bêtes. T'as vu, je vous réponds après. Et si tu leur fais ça, tu leur dis pas bonjour, bah disons, c'est pas très poli, hein. Parce que vous ne dites même pas bonjour. Non, mais moi, je vois, on doit être des bêtes. De quel service aller, et puis pourquoi qu'elle est là. Non, c'est vrai, regarde, t'as vu, puis t'as pas le droit de. Mettons, t'as pas le droit de mettre de petites cabanes, rien, alors ils viennent vérifier si tu m'en as. Là, avant ? Ouais. Ah, c'est même pas la peine. Ouais. Non, en fin de compte, t'es pas libre. C'est à vous, ça. Non, t'es pas libre. T'es pas libre, alors on va commencer à Auschwitz. Ouais, on va à Auschwitz, ouais, ouais. Parce que si t'es pas libre de... Pourquoi ils ont peur que tu fasses... Mais c'est un truc que je comprends pas, moi. Ils appellent ça un terrain d'accueil, et puis la de la mairie, là, ouais, a dit que c'est un terrain familial. Et pourquoi que quand ils viennent, ils disent que c'est un terrain d'accueil ? Et familial, t'es libre de mettre ce que tu veux. Ben oui, c'est normalement, ils ne veulent pas qu'on mette. Mais si elle meurt comme ça, il y aura des problèmes. Parce que les gens qui croiront, ils croiront que c'est un terrain d'accueil, les gens vont rentrer, et là on dira que c'est un terrain. Alors il faudrait vous mettre d'accord. Ils ne sont pas d'accord encore. Tu verras. Parce que familial, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, c'est pas un terrain familial. Non, c'est pas vrai, c'est un terrain d'accueil. Ils veulent nous faire croire que c'est familial en attendant. Ouais. Mais cet été, quand on va sortir, on va vouloir revenir, on ne pourra plus rentrer parce qu'il y aura déjà des gens. Ce qui se passe, c'est que les gens qui rentrent, si c'est des mauvais coucheurs, eh ben ils vont tout casser. Tout ça parce qu'ils n'auront pas gardé la famille Adal. Qu'ils connaissent depuis 10 ans. Moi je dis un gitan, des gens du voyage, sans espace et sans liberté, un gitan mort. Toute la structure et au niveau des sanitaires comme eux, mais je préfère être un. Il n'y a pas photo. Ouais, non, mais de toute manière, c'est terminé. Plus jamais on arrivera à un emplacement comme ça. D'ailleurs, voilà l'espace qu'il faut. Des gens qui se promènent les. Pas de voisins, on est libre. Les mamans qui se promènent avec les enfants, là. Au moins qu'ils puissent bouger et avoir de l'espace. On est des voyageurs. Moi, des fois, je suis dans un terrain, vous savez. Et puis, c'est un petit terrain. Et Seigneur, comme il vient l'été, comme il vient les beaux jours, on se sent à l'étroit. On se sent pas bien. On se sent à l'étroit. On a l'impression qu'on n'est pas bien. Et tout d'un coup, on part avec les caravanes. Et on arrive dans un grand champ. Et vous avez vu comment qu'ils font, les petits ? Ils descendent de l'auto, et puis ils courent partout. On dirait qu'ils sont lâchés tout d'un coup.
Eh bien, mes frères et sœurs, je voudrais vous faire comprendre ça. C'est que Dieu nous a franchis pour ça, pour une vraie liberté, pour en profiter pleinement, pour une vie épanouie. Il nous a pas sauvés pour nous attacher à une chaîne et pour dire, tu vas rester là, hein, tu resteras là. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Oh, sois béni, c'est une bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton amour, Jésus. Oh, Seigneur, tu es dans ta main, Seigneur. Tu passes dans les rangs, Seigneur. Tu vois ces chaînes, Seigneur, qui tombent, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Oh, Seigneur, est dans ta main, Seigneur. Bénis, mon Seigneur. Avec mon blanc, il a un beau. Ça va, Yannick? Ça va, ça va. C'est bon week-end? Ça va bien? Ouais. Ça va. T'as fait une lettre à la ville de Colombes et tu leur montres que t'es de bonne foi. Toi, tu demandes juste qu'ils t'aident. Tu veux bien partir, mais il faut que. C'est tout. T'as besoin qu'ils t'aident pour trouver un terrain. Ben je pense, si c'est des gens qui comprennent la situation, et regardez, il y a 16 lettres, il y a 16 refus. On a fait les démarches qu'il fallait. On n'est pas des gens de mauvaise volonté. Ouais, on a fait tout. On a démarché les terrains, on s'est occupé. Alors c'est à vous maintenant de nous donner un petit coup de pouce pour activer les choses, c'est tout. Moi je dis je ne veux pas m'éterniser sur le terrain, c'est ce que j'ai dit au directeur de la sécurité. Si demain on trouve un terrain, je quitte les lieux tout de suite. Ouais. Voilà. Mais moi, je ne peux pas me retrouver à la rue, moi. La fin mars, ils vont venir, ils vont attendre fin mars, début avril. Ils vont dire, monsieur Gassela, vous savez maintenant que la convention s'est terminée, il va falloir que vous quittez le terrain parce qu'il va y avoir les manifestations. Ça là-dessus, c'est sûr à 100%. Comme ils font tous les ans. Thank you.
invités ont été composés et joués par notre invité ce soir, Nini Garcia. On fait une petite pause et on recommence avec Nini dans 5 minutes. Merci de votre écoute. La plupart des places qu'on connaît maintenant, il n'y en a plus parce que maintenant ils font des tranchées, on ne peut plus rentrer. Et si vous rentrez sur un terrain privé, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur le coup de la loi. Et la loi, c'est des amendes, le retrait de permis, un tas de choses. Rester sur Colombes, quand vous en parlez de rester sur Colombes après le mois de mars, les enfants ils sont scolarisés en plus. Ah oui, il y en a plein. Et la majorité des enfants qui vont à l'école, ils sont chez eux. Le problème, c'est que la plupart des villes n'obéissent pas à la loi et... Mais non, parce qu'en 2005, tous les terrains auraient dû être finis. On a demandé au maire de Gennevilliers, Gennevilliers a dit, bon, moi je vais faire... Il dit, comme les autres communes bougeront, ben moi je bougerai. S'ils se jettent la balle tout le temps, ça peut durer longtemps. En attendant, nous, il faut que nos enfants aillent à l'école, il faut qu'ils puissent stationner, être reconnus comme citoyens français. Voilà l'histoire des gens du voyage. Ma famille est arrivée en France en 1428. Bah oui, tu te rends compte hein. Alors si on n'est pas français, je ne comprends plus rien. Ouais. Je porte un nom espagnol, Garcia. Mais ils étaient là depuis 1428. On a fait des recherches, des grandes recherches, 1428. C'est quand même... On est bien français quand même. C'est la honte. Hein. C'est la honte. Hein. Ben... C'est la honte depuis 700 ans. Ouais. Bon, je vais aller travailler. Ouais. À tout à l'heure. Je suis allé tout au marché vu que j'ai pas eu de place. Alors on est revenu. Voilà. T'as un peu de café, ma soeur? Vas-y, prends. Les tasses sont où? En face. Thank you.
Avec le problème de stationnement, comme il y a un référé ou quelque chose, et que matin, très de bonne heure, on a un bon réveil matin par la police. Bon, la police, je ne leur veux pas, ils font leur boulot, mais c'est quand même fatigant et traumatisant pour les enfants. Parce qu'on frappe contre la porte. Et c'est pas très délicat. Alors, il faut vite se lever, on est là. Hop. Et moi, comme j'aime bien être décent quand je vois sur quelqu'un, alors on n'a pas le temps de mettre le pantalon. Alors qu'est-ce qu'on fait, on a, comme si on allait se baigner, on est à la plage, mais sauf qu'on n'a pas la plage, on va rencontrer le chef de la police. Voyez. Bonjour monsieur. Il nous dit, pour partir. Ah, c'est vrai. Comme si on ne savait pas qu'il fallait partir. Et on va où monsieur? Voilà. On ne sait pas où. On va aller sur la lune. Des fois qu'il y a de la place. Les enfants, il faut les faire boire du café ou déjeuner à toute vitesse. Ça, je supporte pas. Ça devrait être judicieux, ça. Au moins un minimum de respect pour. Voilà. Que le travail se fasse. Bon, c'est comme c'est la loi, il faut la respecter, mais. Avoir quand même un minimum de considération et puis de respect pour l'être humain.